Ils sont partis. C'est Margot qui a pris la direction des opérations devant son frère Calix et qui s'apprête à sauter la première haie devant Philippine. Pierre. Qui c'est le vert? Tommy. Philippine. Les lunettes, putain. La première haie a été franchie par Margot, qui est devant son frère Calix. Philippine avec Diablotin de Brett en troisième position. Et ensuite Pierre et Camille. Margot assure la direction des opérations devant Calix. Ils sont tous les deux bien aguerris. Ainsi que Philippine qui les suit avec Diablotin. On voit que les Diablotins de Bray, on voit que les cavaliers, nos jeunes jockeys sont parfaitement aguerris sur ce type d'obstacle. Ils sont maintenant à l'entrée du tournant final. Qui c'est qui est en tête? Calix. Hein? C'est Calix. Calix en tête? C'est Calix? Oui. Et c'est maintenant couleur jaune Calix qui a pris la tête. Et tandis que Margot a légèrement reculé, Calix aborde la ligne droite et l'avant-dernière est en tête. Devant Philippine, tout près, Pierre. La dernière haie, attention, il y a beaucoup de suspense. Diablotin de Bray vient à l'extérieur avec Philippine, tandis que Calix saute sur la même ligne. Et c'est une lutte maintenant pour la première place avec Philippine qui se détache devant Calix, tandis que Pierre est troisième. Très jolie ligne droite, on les encourage. Les poneys baissent un petit peu de pied, Calix revient, mais ça ne suffira pas. Très très belle victoire de Philippine Madamé sur Diablotin de Bray. Non, C'est pas Diablotin. Alors il y a une petite erreur, on va gronder le speaker.